Bonjour et bienvenue dans ce tirage trimestriel que vous commencez à bien connaître maintenant. Alors, je vous montre tout de suite quel tarot j'ai utilisé pour la première partie. C'est ce tarot-là qui a été fait par la boîte à tarot. Et puis, pour ceux qui iront voir l'extension, c'est le tarot Anaka Tarot. Je pense que beaucoup de personnes connaissent. Voilà. Alors, souvenez-vous que c'est un tirage collectif. Alors, je vous conseille d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, surtout, de ne pas vous forcer à rentrer dans ce qui est dit si vous ne ressentez rien ou pas grand-chose. Voilà, de ne pas tout prendre pour vous systématiquement. Et puis, j'en profite également pour faire une petite virgule d'info qui concerne le jeu que j'organise jusqu'au 20 avril. Alors, je vous mets la petite affichette. La voici, donc cette petite affichette qui concerne ce jeu pour faire gagner une consultation gratuite pour 3 personnes. Il faut aller sur ma page Facebook et puis, donc, vous abonner. Et puis ensuite, m'envoyer un mail sur la partie avec la partie bleue. Donc, je vous montre, enfin, vous connaissez déjà Facebook, bien sûr. Alors, bien sûr que vous connaissez Facebook. Alors, donc, ici, sur la gauche, il y a mes références. Donc, c'est juste pour un petit rappel. Et puis, donc, à partir de la partie bleue, vous m'envoyez donc un mail pour dire que vous participez au jeu. Voilà, et donc il y aura le tirage au sort vers la fin du mois, et le tirage au sort sera intégré à la vidéo qui est prévue pour l'événement zodiacal du 27 juillet prochain. Et puis, une autre petite info très rapidement pour une, je vous mets l'affichette, pour une conférence le 20 août 2020 sur le thème de la tarologie, justement. Donc, discussion, échange et partage des expériences. Alors, c'est des tarots et puis des oracles donc, favoris. Et parler de l'interprétation. Et voilà, puis d'autres choses, on verra. Donc, je vous remercie pour venir voir donc cette vidéo qui concerne donc votre signe à chaque fois. Et je vous souhaite un bon visionnage et vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, je commence immédiatement à vous dire ce qui est venu sur votre tirage. Donc, je vous le montre d'ailleurs. Voilà votre tirage. Je vous reprécise, donc la première ligne d'en haut concerne la partie travail, celle du milieu, la partie qui est consacrée aux sentiments, la partie sentimentale, et puis la troisième concerne les finances. Et sinon, quand vous allez de gauche à droite, il y a les 3 mois, donc juillet, août et septembre, 2 cartes à chaque fois. Voilà, et puis juste pour finir, une petite précision pour les personnes qui viennent pour la première fois sur ce type de tirage. Comment je procède? Donc, quand je fais le tirage, je note tout de suite toutes les informations qui me viennent, puisque je travaille par une écriture intuitive avec des flashs et puis d'autres choses aussi qui viennent, mais bon, c'est pas le lieu pour tout énumérer. Voilà. Et donc voilà, maintenant j'en viens directement à la coupe du tirage qui dit: grâce à votre persévérance, les opportunités et perspectives d'avenir vous réussissent, chers Gémeaux. Alors, je commence par la partie travail du mois de juillet. Alors, de bonnes perspectives d'avenir s'offrent à vous. Néanmoins, vous devrez veiller à bien sélectionner ou investir votre énergie
travail. Ne vous lancez pas en effet dans des projets irréfléchis, inaboutis, qui n'apportent pas de réelles solutions à votre épanouissement. Vous voulez en effet transformer votre situation, donc changer de statut ou changer de métier directement ou dans la manière de travailler peut-être dans l'entreprise où vous êtes. Et pour l'instant, le désir de ce changement, il est basé sur le fait que vous jugez que c'est trop statique. Alors, ne vous impatientez pas. Profitez de juillet pour repenser votre projet et le rendre plus réalisable. En tout cas, la métamorphose se fait, peut-être plus lentement que prévu, mais elle est en marche. Voilà pour le mois de juillet. Ensuite, le mois d'août. Alors, tout ce qui a trait à votre passé professionnel est stoppé. Vous revalorisez complètement votre environnement professionnel. C'est grâce à votre volonté et votre implication que vous devez ce succès. C'est peut-être une promotion. Alors, c'est une promotion importante pour un changement de statut, je pense. Donc, ça peut être un poste de manager, de chef d'équipe, en tout cas un poste à responsabilité, donc poste de leader. Au fil du mois, vous atteignez un degré d'expertise qui est reconnu, car vous êtes plus fiable, plus en confiance dans votre poste, dans ce nouveau poste, dans ce nouveau statut. C'est de toute manière une position de prestige et de responsabilité où stratégie, expérience et maturité sont demandées. Ensuite, pour le mois de septembre, votre situation a décidément le vent en poupe car vous poursuivez votre transformation professionnelle avec à nouveau de manière un point capital, on va dire, pour vous. Je pense maintenant que cela pourrait être pour certains aussi un legs d'entreprise, d'un héritage sous forme de terrain, de terre ou d'exploitation agricole, ou peut-être même forestière, pour certains, peut-être pas énormément de monde, mais pour un petit groupe, un tout petit groupe. Ou bien vous travaillez dans ce secteur et cela vous est aussi très profitable. Si vous avez connu des difficultés de santé, il peut s'agir aussi depuis juillet à septembre, que vous retrouvez vos capacités de travail petit à petit. Ça revient lentement. Il y a une idée de passage d'un état, donc plus ou moins facile, à un état favorable. Ensuite, je passe au domaine qui concerne l'aspect sentimental. Alors, pour le mois de juillet, alors en juillet, j'ai le sentiment que c'est le calme avant la tempête. Tout impatient que vous êtes, insatisfait d'une situation, je pense, qui est plus familiale. Alors, ça peut être aussi le couple avec la famille ou le couple avec versus un groupe d'amis. Donc je pense plus donc familial que sentimental, bien que ça puisse se passer sur ce plan de toute façon aussi. Vous tentez différents plans pour gagner en liberté ou fuir vos responsabilités.
Vous adoptez la position d'un observateur calme, consciencieux, pas forcément d'accord avec ce qui est dit ou fait, mais en fait, vous n'avez pas du tout de but précis en ce moment à faire valoir, ou bien c'est que vous le préparez. Alors, en gros, il y a un refus de s'engager, puisque les sentiments ne sont pas partagés dans cette situation-là, pour le mois de juillet. Sur août, donc c'est une période où il y a des hauts et des bas, c'est un peu la suite des conséquences sur le mois de juillet. Il y a de tenaces sujets de discorde au sein de la famille. Le sujet principal semble être l'argent. Donc on verra ensuite dans la partie argent ce qui s'y passe. Je rentre pas dans les détails ici. Des sujets sensibles sont abordés et ne laissent pas de place aux affaires de cœur, au positif. Il peut s'agir donc de l'emploi d'argent mal investi ou employé à des fins familiales, mais sans accord commun auparavant. Ensuite, sur le mois de septembre, vous reprenez espoir, mais les circonstances ne sont pas en votre faveur pour une réconciliation ou un renouvellement des liens qui vous unissent à votre famille ou à vos amis ou à la personne qui partage votre vie. Le manque de communication, la froideur des sentiments, maintient chacun dans son coin. Pour le moment, vous êtes contraint d'attendre une meilleure période pour tenter de vous expliquer. Dans quelques mois, je pense. Ce ne sera pas immédiat. Pour le domaine qui concerne donc les finances, sur le mois de juillet, votre situation financière est positive, elle vous met plein d'espoir et vous permet la réalisation de projets tenus en réserve. Si vous avez eu dernièrement quelques déboires, vous pouvez espérer un dédommagement. Pour le mois d'août, août n'est pas un mois clairement très bénéfique pour tenter l'impossible en matière financière. Mais vous choisissez de passer outre et de vous lancer dans une entreprise risquée. Alors, grandes émotions garanties, avec des contrariétés dues aux litiges ou aux obstacles. Mais, à un moment, vous dit, si vous ne vous sentez pas à la hauteur, il faudra revenir à une plus sage décision. Sur le mois de septembre, les circonstances du mois sont plutôt pessimistes, avec des spéculations nébuleuses qui manquent de crédit. Il peut s'agir aussi de l'abandon de négociation d'une dépense prévue assez importante. Alors, je fais le lien avec le mois d'août où un gros pari, souvenez-vous, risqué, était en cours. Alors, êtes-vous allé jusqu'au bout pour certains d'entre vous et maintenant contraint à l'abandon? Et en même temps, je pense à un achat de maison. Alors, des influences extérieures vous ont-elles poussé à stopper? Il peut s'agir aussi d'un retard ou de plusieurs en même temps qui vous forcent à abandonner votre projet initial. Donc, vous verrez bien, je pense, pour certains, parce que en fait, il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai tout noté et je donne tout. Et je pense que la partie qui vous concernera vous parlera le mieux, le plus.
Voilà pour votre tirage, chers Gémeaux. Je vous remercie pour votre écoute. Et eh bien, je vous retrouve très bientôt tout au long de l'été. Voilà. Voilà, je vous souhaite un bel été. Et puis, il y aura des choses nouvelles pendant cet été. J'espère que vous irez les regarder. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Au revoir.